Nous sommes le long d'une rivière, le Douron, rivière qui sépare deux départements, en Bretagne, du Finistère et des Côtes d'Armor. C'est un estuaire, c'est zone où la mer monte très loin à l'intérieur des terres. Nous sommes dans une petite partie de cet estuaire du Douron, dans un endroit miraculeusement préservé de l'influence des marées vertes. Dans cette zone préservée, on trouve des algues vertes, comme on en trouve partout sur les côtes de Bretagne, des algues fixées. Ces algues-là sont des algues vivantes qui n'empêchent pas la vie des autres espèces vivantes. Quand on creuse dans ce sol, on voit partout des galeries de verre. On voit que ce milieu est vivant. On y trouve des coquillages, on y trouve des vers différents. On est bien en présence d'un milieu qui vit. Et qui vit de la putréfaction des autres espèces. Mais effectivement, cette putréfaction des autres espèces n'empêche pas la vie. Dans cette zone préservée, il y a de la vie qui vit et de la vie qui meurt. Et cette vie qui meurt, elle est effectivement celle qui dégage en petite quantité de l'hydrogène sulfuré. Et l'appareil à ma disposition est un appareil qui mesure les taux d'hydrogène sulfuré. Et on constate qu'il n'y a pas de dégagement d'hydrogène sulfuré dans cette zone. Donc la putréfaction des espèces qui vivent là ne provoque que de manière marginale, infinitésimale, de l'hydrogène sulfuré. Donc c'est un milieu vivant. Une autre manière de constater que ce milieu est bien vivant, c'est d'y planter des clous en cuivre. Et j'attends un quart d'heure. Si on prend ces clous, qu'on les regarde, qu'on les compare avec ceux qui n'ont pas été plantés dans la vase, on voit qu'ils sont rigoureusement les mêmes. Donc ils ne subissent aucune agression dans ce milieu vivant. Ce milieu est préservé. C'est une exception en Bretagne parce qu'il est barré par une chaussée à travers laquelle deux buses laissent passer la mer, mais pas les algues vertes. Et donc, en absence complète de ces algues vertes, eh bien, on va se retrouver dans un milieu vivant qui va vivre de l'eau de mer qui arrive là à chaque marée montante. Nous voilà de l'autre côté, dans la Bretagne d'aujourd'hui. Dans ces zones dangereuses, à cause de l'échouage de ces marées vertes qui pourrissent et produisent de l'hydrogène sulfuré, les risques sont grands d'être intoxiqués. Premier constat, la vase est noire, pas grise. Deuxième constat, elle est particulièrement malodorante, mais en plus, il n'y a aucune forme de vie. Tout est mort. 33 ppm, c'est une dose d'hydrogène sulfuré qui, sans être mortelle, est déjà une dose proscrite dans le milieu industriel. Si on refait le test des clous, on voit toute la différence. Il n'y a pas que l'air qui est toxique, mais le milieu, le sédiment, la vase l'est aussi. Et donc on voit que ces clous ont subi une agression chimique, une oxydation. Changement de milieu, c'est fini l'estuaire, nous sommes sur une plage. Et sur cette plage arrivent deux rivières principalement, le Yar et le Rosquat. Et c'est le long de cette rivière du Yar que nous allons faire les mêmes mesures d'hydrogène sulfuré avec le même appareil. On voit bien là, les algues sont en train de pourrir et un sédiment extrêmement noir.
500. Saturation. On est au-dessus de 500 ppm. Trouble cardiaque assuré. Extrait du constat par huissier de justice du vendredi 30 août 2013. À une reprise, alors que nous nous trouvons toujours au bord du Yard, à la faveur d'une simple bulle, mais d'une odeur particulièrement forte, je constate que l'écran affiche très rapidement des mesures supérieures à 400 ppm et atteint son point de saturation, soit 500 ppm. Le signal émis par l'appareil est ininterrompu. L'écran affiche alors OR. En Bretagne, on marche sur de l'hydrogène sulfuré. C'est un toxique violent. Là, pareil, là, on voit, là. Donc partout ici, là. Là. Et quand tu appuies, par pression, ça s'en va. Et là, tout de suite, ça monte. C'est l'hydrogène sulfuré qui sort, là. On voit pas les marées vertes. Regardez. Sous le sable, bien caché, on sature. Arrivé à des taux de plus de 500 ppm, ce sont des taux où l'hydrogène sulfuré est suffisant pour tuer des personnes en quelques minutes. En janvier 2000, le ministère des Affaires sociales et de la Santé et l'INERIS ont établi qu'un taux de 542 ppm, tel qu'il a pu être constaté le 30 août 2013, entraînait la mort en 20 minutes. 1989. Jacques Thérin, 26 ans, décède le 28 juin à Saint-Michel-en-Grève. 1999, Maurice Briffaut, 55 ans, fait un coma le 5 juillet à Saint-Michel-en-Grève. 2008, deux chiens décèdent le 12 juillet à Ilion. 2009, Thierry Morfoise, 48 ans, décède le 22 juillet à l'Antique. 2009, un cheval décède et son cavalier Vincent Petit est intoxiqué le 28 juillet à Saint-Michel-en-Grève. 2011, 36 sangliers décèdent le 29 juillet à Morieux. Le vendredi 30 août 2013, un huissier de justice relevait plus de 500 ppm sur une plage ouverte au public. Depuis 40 ans, plus de 100 000 personnes ont été certainement exposées sur nos plages à ce gaz toxique. Depuis 40 ans, les marées vertes tuent et tueront encore. Depuis 40 ans, les autorités françaises laissent faire. Pendant combien d'années encore devrons-nous supporter cette mise en danger délibérée ? Ces algues vertes se nourrissent de nitrates et prolifèrent dans de bonnes conditions de lumière et de chaleur, donc au printemps et en été. Ces nitrates, apportés par ces rivières, proviennent en grande partie des engrais répandus sur le sol toute l'année, mais aussi de l'infiltration des lisiers d'origine animale. Ce sont des conclusions scientifiques qui datent déjà de 1977.